Salut tout le monde! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous sommes les Ocarinites et demain nous serons les Ocarinites aussi. C'est après-demain? Je voulais dire un truc qui était qu'aujourd'hui on a notre layout qui est pas à jour comme d'habitude parce que j'ai complètement oublié de le faire. Du coup, bah. Mais ça ne sert à rien les layouts! Rappelle. Attendez, je sais en fait ce que je vais faire. Ça sert à rien. Je vais mettre mon Togekiss en premier. Comme ça, on sait qu'en fait. Mon Togetic a évolué il y a deux streams, je crois déjà. Enfin, deux vidéos, pardon. Tiens, on va refaire la petite roulette là. Qu'en fait, il n'y aura personne du coup. Personne ne pourra décider en fait. Ah bah si, regarde, ça commence déjà, mentally. Ouais, ça va, il est pas sorti encore. Bon bah, on va très bien, mentally, ok. Ah non, mais l'Ivol est au taquet, il arrive au moment. Mentally, c'est bon. On veut petit poulet encore. Eh, c'est vrai que vous l'avez pas vu trop tant que ça la dernière fois. Hein. Mimosa. Mimosa, c'est vrai que la dernière fois, vous l'avez retiré de la team. Tu vois, finalement, il y a des gens qui choisissent. Oh non, il faut pas que j'aille vers ce parc, sinon je vais mourir. Donc, Caribou les Knights, j'étais justement en train d'entraîner un peu mes Pokémon. Et bien, merci beaucoup, Sissineko, pour l'abonnement. Et bonne chance pour ton entraînement. Bonne chance pour ton entraînement, voilà. Vous reprendrez bien un peu de Ariel. Franchement... Moi, je pense que Ariel, c'est pas une mauvaise idée parce qu'on va probablement surfer aujourd'hui. Bon, donc, bah super, coup... merci. Comme ça, ça, en fait, ça retire le problème de la team, finalement. Mais... Bon, bah, il reste deux choix, hein. Je vous rappelle que. Est-ce que moi aussi, j'ai le droit de choisir? Ouais, vas-y, c'est bon, il y a personne. J'allais dire, rappelez-vous que nous avons aussi le pharaon, hein. Bah oui, j'allais dire, j'ai envie de voir hein, qu'on n'a pas vu, mais d'un côté, j'ai trop envie de voter Cisaiox quand même, et d'un côté, qu'est-ce qu'un stream sans roux carnage, donc du coup, c'est dur. Ah, là, finalement. Là, ça fait trois choix, là. Ça fait trois choix. Ah, mais je vais quand même voter pour Zenda, parce que moi, j'ai un petit... T'as un petit faible. J'ai un petit faible pour lui. Et... Bon, attention, là, du coup. Ah, pharaon, ça y est, on a du pharaon. Ah, on a du pharaon, finalement, donc ça serait un stream sans roux coups aujourd'hui. Alors, pour son honneur, tu devrais dire n'oublions pas que c'était un roux carnage assuré. Voilà, il est dit. Comme ah ça, c'est bon. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, bah alors pour le coup, je vais dire ton machin là, qui se balade derrière toi, ton Airbus 727 et rigide. Il est super dur. Ah bah ça c'est clair. Bon bah vas-y, qui de moi? J'ai que 7 ans, je connais pas le chemin. Ok, ben là on va aller direction le sud de Kalos. Bah le sud. Non, ah, en fait on va aller sud. À Safrania pour être On aidé. Va aller chercher une couronne là, une brioche des rois. Là. Attends, on va où là? À Safrania. On va à Safrania. Ah bah tu t'es dit, attends, non finalement on va pas au sud. Non mais on va pas au sud. Merci beaucoup qui aussi pour le... On va faire notre point de vol à l'avant-ville et après on va aller... Pour le chi. On va aller... On ira au sud, t'inquiète, mais d'abord on a des détours à faire en fait. Pour une fois je suis présent, merci beaucoup Balti pour l'abonnement. Le sud de Kalos, tu connais pas ce même les vols, le sud de Kalos? Mais qui ne connaît pas le sud de Kalos? Mais oui, qui ne connaît pas le sud de Kalos? C'est le seul endroit où on mange des brioches d'or. Et merci Balti pour l'abonnement. Non mais c'est pour ça qu'on n'a pas pris le sud de Kalos, il y avait trop de problèmes. Bah de toute façon voilà, hein, ils savaient. Alors voilà, on a plein de bikers, je sais pas si tu veux les affronter. Non, ils disent des bikers. Tant pis alors. Ils disent des gros mots, moi je le sais. Ah oui, on n'a pas couple. Oh, il y a un petit couple là. Ah, il y a le petit couple, tu vois. Oh non, je voulais changer de premier Pokémon. Bon, tant pis. Attends. J'ai l'air si faible, moi. Pas de blague. Pas de blague. Enfin, je veux dire les commentaires. Je veux dire les commentaires. J'ai pu vérifier et en fait, il est possible d'obtenir les numéros de champion dès qu'on arrive à Kanto en fait. Bah c'est bien ce qui me semblait, mais du coup, ils ont pas voulu me les donner. On a dû oublier de faire un truc. Hein. Attends quoi? Quand Buffy est avec moi, mon courage est démultiplié. Pure, mais moi, je lis même pas les dialogues, lui. Fred et moi formons un duo parfait. Ah, mais c'est Buffy contre les vampires. Et ouais, on est les vampires. C'est un crossover avec Scooby-Doo et du coup, bah... Ah bah oui. C'est magnifique. J'ai jamais regardé Buffy contre les vampires. Mais moi non plus, donc je connais pas, juste je connais juste le nom. Mais voilà. Bah c'est déjà pas mal de connaître le nom. J'imagine. Ah oui, ah oui, excellentissime. Bah c'est pas grave, Balti, pour te résumer la situation et à tous ceux qui arrivent en cours de route, nous avons déjà gagné 3 badges, je crois. On a fait Major Bob, Morgane, ta super femme et...
Oui, c'est vrai que c'est... j'essaye d'avoir son numéro, mais ça marche pas très bien entre nous. Et elle a maudit mon jeu après. Donc... Bah ouais, mais c'est tu connais pas toi le dating. Tu sais pas qu'il faut d'abord débloquer les bons dialogues pour machin. Mais oui, mais oui. Est-ce mais que j'ai... t'as déjà joué à un jeu de drague? Voilà, tu connais. Mon seul jeu de drague que je connais, c'est Paper Mario, Super Paper Mario. Bon, c'est un secret jeu de drague. Mais effectivement, j'ai dû aller trop vite et du coup, elle a fait crash mon jeu. Mais c'est pas grave, je retenterai ma chance. En vrai, j'ai dit ça, j'ai jamais joué à un jeu de drague non plus. Les numéros, tu les as en parlant aux champions, mais quand ils sont en dehors de leur arène. Ah, mais oui, moi j'ai vraiment été trop vite en fait. Elle est actuellement au port d'embarcation à Olyville, si tu veux le numéro de Morgane. Mais oui, je me souviens, il y a des gens, ils se baladent un peu partout et voilà. Ok, bah c'est pas grave, on va continuer notre folle aventure. Allez, va-t'en. Mais non, mais... Ah, tu es parti l'attaquer. Bah, il pas fait. Veut jamais se retourner, regarde-le, lui, là. Bah oui, attends, mais moi, il s'est retourné pile au moment où je suis passé. Allez, coup sec derrière non, la nuque. Non, je rigole, j'ai pas fait attention. On affronte Adrien. Super magnétique. En plus, vous avez des Pokémon qui servent. Je connais pas Buffy contre les vampires, mais je connais que Buffy contre les vampires. C'est un truc en rapport avec Donkey Kong. Bah, forcément, de toute façon, la question ne se pose pas. Forcément que c'est en rapport avec Donkey Kong. Tout est en rapport avec Donkey Kong. Donkey Kong, le meilleur. Goofy contre les vampires. Goofy contre les vampires, ça c'est dans Kingdom Hearts. Oh, il t'a verrouillé. Il a verrouillé et chargé. C'est bien parce que nous on attaque des Pokémon acier avec des attaques psy. On est moi je l'ai fait avec une attaque spectre. Bon, on veut voir l'Anvin, je le sais. Moi-même, je veux voir l'Anvin. Et vous savez quoi, cette année, j'ai pas eu mes l'Anvin. Je suis dégoûtée. Cette année, mais elle vient à peine de commencer, ça fait que 20 jours. Bah oui, bah justement. Enfin, 20 jours, j'ai pas eu d'escargot, quoi. Ici. J'espère qu'à Pâques, il y en aura. C'est pas Abraham Lincoln contre les vampires, mais je crois qu'il y avait une bêtise comme ça, ouais. Pas une bêtise, c'est un film. Mais de toute façon, il y a beaucoup de films avec les vampires. Pas de l'Anvin. Mais c'est chagrin. Le one shot de Ariès sur le Magnéti à coup de éclair, mais c'est magnifique. C'est un Magnéti niveau 40 quand même. Hein. Faut pas rigoler. Attention. Hein. C'est un roman, on te dit à la base. Bon bah ouais. J'ai pas dit. Il y avait quoi? Il y avait Underworld aussi. Non, c'était pas Underworld. De toute façon, aujourd'hui c'est vidéo pour l'Anvin. Donc go. Vidéo pour l'Anvin. Hop, ouais. Tu vas te coucher, vidéo, tu te lèves, vidéo, toute la journée sur YouTube, ce l'Anvin. Pas possible. Oh là, lui, on va être obligé de l'affronter. Mais c'était quoi, c'était Underworld? Il y avait un film, c'était Loup-garou contre les vampires. Et le premier qui répond Twilight, il sort. En même temps, tu tends la perche là. Mais ça existait avant. Même qu'il y a eu une suite et les gens, ils étaient tous en mode c'est trop nul la suite, c'est trop nul la suite, c'est trop nul la suite, c'est trop nul la suite. C'était Underworld. J'allais la faire d'un million de fois. D'ailleurs, dans la rediff de l'autre jour, j'ai entendu que vous seriez intéressé de refaire Noir et Blanc. J'aurais presque envie d'y rejouer en même temps. Eh ben, on verra ça après Heart Gold Soul Silver. Déjà, on va à Sonic en pot. C'est Sonic Unleashed, sinon. C'est plus loup-garou contre. Ah, c'est loup-garou contre les démons. Aïe. Ah, mais il avait rien, lui. Ernest. Me voilà comblé. Bon, voilà. On fait notre spawn. On va quand même aller dans la tour de l'avant-ville. Ah, attends, il y a Séan qui m'appelle. Salut! C'est Séan encore debout. Mon Pyroli est plus fort que je ne le pensais. Il n'y a pas un seul Pyroli qui pourrait surpasser le mien. Et hop, salut. Oh bah il est incroyable ce dresseur. Je sais même pas qui il est. Bah il a un Pyroli. Il y a un truc à faire ici. Oui, on va aller parler à bonjour madame. Cette main pourrie qu'il y a sur ton épaule n'est-elle pas celle d'une goule? Ah, ton Pokématos ne peut pas hélas monter mon émission, dommage. Quoi? Oui, mais donnez-moi coupon extension. Ah bah voilà, coupon extension, expansion. Merci monsieur. Expansion pack. Ne serais-tu pas le jeune qui a réparé la centrale? Car cette fois, je peux conserver mon emploi, je dois une fière chandelle. Tiens, remerciement. Ah et du coup, il dit un truc maintenant qu'on peut écouter son émission. Je suis le super directeur musical, on diffuse des super mélodies à l'antenne, écoute-nous.
Dagaïa sont des vampires. Oh, il y a Henri qui m'appelle. Bonsoir, c'est Henri, encore debout? Encore, le fan, non. Bah non, elle est pas sortie, la vidéo. Bah je sais, mais... J'ai toujours Henri Vitos et il est trop chou, je l'aime. Au fait, j'ai vu un Nidoran pour la première fois, il est assez facile à battre, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche? Je voulais regarder un truc avant de partir. D'ailleurs, c'est rigolo, on peut aller dans notre PC. Ah, parce qu'il y a... Bah non. Ah oui, je voulais regarder mon Pokématos. Parce que... Maintenant... C'est passionnant. DJ Ben, c'est moi DJ Ben pour musique Pokémon aujourd'hui, samedi. Une perceuse de Pokémon pour nos petits Pokémon chéris endormis. Et oui, c'est Jet Set Radio. Qui a découvert ça pour votre péril de sa vie? C'est l'équipe d'exploration, cette forêt était plus claire que prévu. Et surtout très fréquentée. Ah, un scout! Ah! Quelle horreur. Oui, quoi? Il vient par ici! Je vous lance un défi. Mais on n'a pas de Pokémon pour ce... Ah, tchat crétin, pas ça! Ainsi s'achève notre émission spéciale à la découverte de la forêt de Jade. À bientôt. C'est incroyable ce que je viens de dire. Cette histoire n'avait aucun sens. Ils viennent de prouver que les scouts sont ultra agressifs. Bon bah maintenant on va s'envoler à Safrania, encore. C'est trop loin ce jeu. Mais non, sinon on va être obligé d'affronter une horde de motards et on n'a pas envie de faire ça. Ouais bah attends, faut que j'aille chercher Roku. Ah, finalement. Bah sinon tu peux affronter la horde de motards, hein, c'est pas grave. Mais non, ils sont pénibles là. Attends, est-ce qu'on est vraiment obligé de les affronter? Normalement, ouais. Si tu veux relocaliser les vampires selon l'univers où tu te trouves, tu peux dire Nosferalto à la place des vampires. Ah. Oh oui, on est carrément obligé de les affronter. Bon, attendez, j'arrive, hein. Mais attends, du coup, t'as enlevé qui? Enlevé Ariel, mais je vais la reprendre, t'inquiète. Bah oui, parce qu'on va en avoir besoin. C'est juste le temps de faire le TP. Parce qu'à l'époque, on était obligé de changer de Pokémon, quoi, pour faire ça. Heureusement qu'ils ont fini par comprendre qu'il fallait le retirer, ce truc, quand même. C'est arrivé si tard, en plus. Je veux dire, ils avaient fait un bon plan, là, dans Ruby Omega et Saphir Alpha. Ah si, non, si, après, non, y a le dragon. Y a plus. Ouais, donc c'est à partir de Ruby Omega que c'est devenu cool. Viens, on va se balader en ville un petit peu. Encore dans Ruby Omega, t'es quand même encore obligé de le faire, quoi. Un truc ici. Dans Ruby Omega, t'es encore obligé de le faire, puisque... Pour notre malheur, notre fille aime bien imiter les gens. Elle aime faire des blagues, alors le voisinage l'appelle la copieuse. Parfait, bah on va monter alors. Tu veux une poké-poupée, là, non? Non, non, c'était dans la première génération, là, on en a pas besoin. Salut, on dit que tu as perdu ta poké-poupée préférée. Si je la retrouve, tu me donnes un pass pour le train. Je vais la chercher. Tu l'as perdue en allant à Carmin-sur-Mer? Pardon, tu veux pas que je prenne des décisions pour toi? Mais j'ai si peur, et si quelqu'un d'autre la trouve? Bah tu vois, il faut aller chercher la poké-poupée. Non, mais je croyais que tu disais qu'il fallait en acheter une. Alors que non, elle veut la poké-poupée de Red. La poké-poupée de Red. Celle qui permet de tuer des ossatures, oui. Ossature fantôme. Elle est bien pratique cette poképoule. Coucou Enzo, trop mignon les minous, mais oui ils sont trop mignons nos chats. Oh, on l'a pas battu ce scout si jamais. Mais t'es sérieux? Misterbe. Salut Skyve. Salut Ningeek. Vous, on vous a tué, c'est bon. Les pauvres! Et là, on va... ici. Ah, fallait pas embêter les gens, aussi. Voilà, c'est ce monsieur, le voleur. J'adore Mélofée, mais j'ai toujours pas réussi à en attraper un. Tant pis, je m'amuse avec cette poké-poupée que j'ai trouvée. Quoi, la petite fille qui a perdu sa poké-poupée est triste? Très bien, va rendre la poupée à sa propriétaire. Moi, je trouverai un vrai Mélofée. Un objet perdu. Hein. Oh, mais regarde, il a Macronium. Mais j'avoue. Regarde mon macronium, la feuille sur sa tête est si mignonne. Notre président ne s'arrête jamais de parler de Pokémon. Je suis le président, j'ai élevé plus de 150 Pokémon, je suis très difficile dès qu'il s'agit de... Hey, tu t'es fait agresser par Pierre Rochard. Attends, je... Non, qui non, se souvient de... C'est nul. Mais je suis désolé, mais il y a Pierre Rochard dehors. Mais c'est nul, Pierre Rochard.
Bonjour, je suis Pierre Rochard, en direct de la maître de la digue d'Oen. Nous ne sommes pas déjà, non, ça doit juste une impression. Les dresseurs que j'affronte jusque-là ont tous les mêmes yeux. Tous ces dresseurs. Ça, c'est le same face syndrome, okay, on n'y peut rien. Ouais, tous ces dresseurs qui m'ont fait tant de mal. Au fait, as-tu déjà entendu parler d'un Pokémon appelé Latias? Normalement, il vit à Oen, il semble s'être déplacé jusqu'à Kanto. Je suis ici pour comprendre pourquoi. Latias! Un lien très fort avec un jouet appelé la Roséam qui est interdite quand tu veux faire des combats en ligne. Donc, même dans la tour combat. Cet objet ne sert à rien. Et ils l'ont remplacé par la méga gemme qui fait les mêmes effets et qui elle passe. S'il est venu à Kanto, c'est peut-être que la Roséam s'y trouve aussi. C'est un Pokémon qui est capable de parcourir de très longues distances sans appareil et permet de le suivre. Sans appareil, c'est difficile de le suivre et dur de l'encontrer. En tant que dresseur, n'as-tu pas envie de tenter ta chance? Pérouchard, d'ailleurs il s'appelle Pérouchard. Je dois y aller, nous nous reverrons peut-être, ou peut-être pas. Sacré Pérouchard. Et j'avoue, est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit. On les voit? Oui, sur notre carte de notre Pokématos. On les voit. Si tu ouvres la carte, tu le vois où il est. Ok. Moi j'aime bien comment je fais le tour, hein, genre... Je m'appelle P Rochard. Moi c'est L Léon. Léon. Dans le milieu on m'appelle DAM. DAM. Ouais, ouais. Tu t'appelles Danny, Adam, Michael. Michael. Hey, c'est ma Poképoupée Mélophée. Elle est un peu déchirée près de la jambe, c'est la mienne. Ok, voilà le passe-train, comme promis. Il sert à rien, le passe-train. Mais si, il sert à quelque chose. C'est un passe pour prendre le train magnétique, on me l'a donné quand ils ont démoli ma maison pour construire la gare. Voilà, et merci. Et il sert à quoi? Bah, il sert à aller de Kanto à Johto si tu veux pas... Voler? Ouais. Alors, mais pour l'instant... Il sert à rien, le passe... Mais c'est rigolo! Viens, on prend le train. Mais non, pourquoi on prendrait le train? Mais c'est rigolo! Mais c'est hors de prix, les sandwichs là-bas! Il est gratuit! 5 euros le sandwich! Bon, bah viens, on il va fait même pas 50 grammes! Le train fait pas 50 grammes? Non, non, le sandwich. T'as loupé. Ah non, t'as pas loupé la porte. Salut à tous ceux qui arrivent! Pour le salut revoir, Blackie. Ils font un event. Oh, Pierre, et on le voit souvent dans ce jeu. C'est moins cher qu'à la Japan Expo. Oui, mais à la Japan Expo, on a le menu manga quand même. Bah oui, mais non, justement. Bon. Oui, bah justement, bah ouais, mais. Ouais, mais. Là, on peut faire tout, qu'est-ce que tu veux? Bah, et on faut aller affronter Erika, là. Oui. Avec un Pokémon électrique, ça va bien marcher. Ne dis pas qu'il faut coupe, s'il te plaît. Là. Bah, si. Si, il faut coupe. Hein. Ah, vous vous saoulez avec votre coupe, hein. Bon bah c'est l'heure de coupe. Bon, qui c'est qui veut apprendre coupe? Qui c'est qui veut perdre une attaque bêtement là? Bah c'est bon, on peut aller à Evenel pour oublier coupe après. J'avais dit que j'allais la prendre à Lunel en plus. Bon bah ok. Oublier Météor, écoute. On va oublier Météor, c'est bien ça. Attends, qu'est-ce que tu oublies là? Attends, pourquoi? J'ai bien oublié Météor, hein. Ouais, ça va. On va oublier Onde Folie, j'imagine. Salut Pierre, ça va et toi? Donc toi, est-ce que tu as goûté le fameux menu manga à la Japan Expo? Non, par contre, je vivais à un endroit où il y avait un restaurant japonais qui faisait en dessert la crêpe manga, et elle, je l'ai goûté. J'espère qu'elle coûtait 17 euros, elle aussi. Non. Hey, cette arène est terrible, il y a plein de super dresseurs. Avant, il aimait bien parce que c'était des filles, maintenant, c'est juste des super dresseurs. Peut-être qu'en japonais, il dit toujours que ce sont des filles. Salut Stitch. Oh, ah, mais il y a vraiment besoin de coupe dans l'arène aussi, du coup. Nous allons bien, j'espère que vous avez tous passé une bonne journée, d'ailleurs. Crêpe manga, c'est au-dessus du menu manga. Et oui, d'ailleurs, j'aimerais bien en retourner dans le magasin qui s'appelle Princesse Crêpe, je crois, à Paris, parce que bah ils font des crêpes japonaises, du coup, là-bas. Ils font des crêpes manga. Je me suis perdu, moi, déjà. Ouais, c'est bon, t'es sur le bon chemin, tu vas croiser le duo de super dresseurs. On doit protéger la grande Erika. On doit protéger la grande Erika. On doit protéger la grande Erika.
trop bien la crème. Ah mais elle est très bonne là. Je suis sûr qu'il y avait des fraises tagada dans cette crème. Des fraises tagada. Enfin sur la crème. C'est pas mal ça. Ah mince. On va être obligé de switcher. On va de switcher quand t'as psycho. Et que t'as à prendre psycho à ton lunel. Mais c'est pas lunel, c'est juste que l'envin pour l'instant tout ce qu'il peut faire c'est exploser. Mais pourquoi tu fais giga sensu? Bah écoute, pourquoi il ferait pas giga sensu? Tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Mais non, baston? Mais... Chatouille! Point de feu! Faut que j'y aille à Princesse Crêpe. Mais oui, mais c'est... Il est trop mignon ce magasin. C'est pas un magasin, c'est un restaurant. Oui, bah c'est un magasin de crêpes. Techniquement, est-ce que ce serait un moment restaurant? C'est une crêperie! C'est un magasin de crêpes. Mais pourquoi vous faites tous giga sensu sur l'envin? Le pauvre! Après, en plus, j'ai plus de potions! C'est bientôt la chandeleur, on va pouvoir manger des crêpes parce que vous croyez que nous on attend la chandeleur pour manger des crêpes. J'avoue. On n'attend jamais la chandeleur pour manger des crêpes. C'est pas grave, ça donne une raison supplémentaire d'en refaire. Donc, prépare-toi, dans 2 semaines, on mange des crêpes. Putain, mais c'est vrai que là, c'est passé vite, hein, le mois de janvier, quand même. Mais oui! Je mange des crêpes tous les dimanches, ah bah. Merci Kiyoshi et Lio pour le cheers, chacun, et bonjour casse-croûte. Chacun son rituel de la semaine, son rituel hebdomadaire. Bon, moi, il faut que je soigne l'envin, là. Ça va pas du tout. Mais par contre, comment je vais faire si l'envin, il meurt déjà contre des Pokémon plantes? Parce que j'ai qu'une potion, je crois. C'est pas là. Au début du mois, j'avais du mal à reprendre. En fait, non, j'en ai même plus du tout. Au début du mois, j'avais du mal à reprendre le travail, mais ça va mieux. Bah, c'est comme ça, c'est le mois de janvier, hein, je comprends. C'était difficile pour moi aussi à l'époque où j'allais à l'école. C'est dans 2 semaines, je crois. Bah, c'est dans 2 semaines, hein. Parce que là, on est le 22. Oui, c'est dans 2 semaines. Ouais, c'est dans... Chandeleur. Ça ressemble un peu à chandelure, tu sais, là, le ouais. C'est trop bien. Attends, on est allé ici, mais ça servait à rien. Fallait aller là. Non, c'est à continuer d'avancer. Oui, pardon, je suis... Non. Je suis non. C'est qu'il faut aller, là. Par là, je crois. On n'était pas obligé de les affronter. Elle non plus, j'imagine qu'on est même pas obligé de l'affronter, elle non plus. Ouais, je vais y aller quand même. Parce que de toute façon, après, il y a la sortie et il va falloir que j'y aille. Parce que j'ai... Je ne laisserai pas n'importe qui importuner la Grande Erika, parce que comme j'ai plus de potions, je dois avouer que je ne suis pas sereine. Bon, après je dis c'est passé vite, comme match. Attendre ça de mon côté, finalement. J'ai hâte de gagner. Ah, mais ça va être ton... pire arène pour moi, j'ai juste un Pokémono pour combattre. Mais il a pas d'attaque glace, ton Pokémono? Après, il y a plein de Pokémono. Non, il n'y a pas plein de Pokémono. Bonne année, bonne année, Adil, BG4. Fillette Michel envoie Granivol. Ah, ça sent le Cotovol à la fin. Mais il fait super mal, Pharan. Ça? Il est trop cool, Pharan. Il mériterait de méga évoluer. On sous-estime beaucoup Pharan, hein, finalement. Ouais, il peut faire des gros dégâts, c'est juste que c'est une limace en carton, à part ça. Ah bah voilà, regardez, hein, il a combien de niveaux d'écart avec moi là? Oh, seulement 4. Oh, le tricheur, il a fait la poudre dodo. T'inquiète pas, avec la sleep close, il peut pas t'endormir tous tes Pokémon. Bien dit le BG, nous ne savons pas à qui tu parles, étant donné que tu viens de dire tu. Est-ce que tu parles... Enfin, il faut préciser à qui tu parles dans ce cas-là, j'imagine. Elle est tout OP, mais vous en faites pas, elle est tellement OP que elle a bombé en lumière quand même. C'est la meilleure des attaques, attention. Ouais, je suis mauvaise langue, la meilleure lumière c'est cool. Hein, en réalité. J'espère qu'il va pas faire poudre dodo à tous mes Pokémon. Par contre, moi j'ai pas encore fini, hein. Tu vas attendre un petit moment. C'est pas grave, je vais dire le chat, je vais converser avec le chat, je vais faire. Oui, mais tu m'as pas laissé la musique de combat, c'est ce que je voulais te reprocher. Bah ouais, je suis désolé, mais. T'es réveillé? Mais c'est qui tu? C'est Mademoiselle Minuit. Ah non, Lunel dort aussi. Moi aussi, je joue avec Poudre Dodo, le méchant. C'est quoi comme Pokémon? C'est un jeu Pokémon qui est sorti sur Nintendo DS, qui est un remake de
la version deuxième, qui est la version or, qui était sortie sur Game Boy à l'époque. Ah, bien joué, Lunel. J'ai Crogive, mais si je quitte pas avec, ça va faire mal quand même. Même si j'ai des niveaux d'avance. Tu sais, par rapport à la découverte d'une bêta d'OOT récemment, ouais, j'ai vu qu'il y avait une version en prototype qui venait d'apparaître sur Internet. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de changements par rapport à la version définitive. Bon, en même temps, la version prototype date déjà. Allez, salut. Allez, salut. De quelques jours avant la véritable sortie, je crois, donc elle est pas non plus. C'est pas non plus le. La folie furieuse. Mais ça reste quand même sympathique. Regarde-la. Regarde-la. Je peux pas regarder, je joue. Quel dommage. Deux versions en même temps. Ah, il y a deux versions qui ont été découvertes en même temps. Ah, d'accord. J'ai juste vu la version prototype du coup. Voilà. J'ai pas vu la deuxième. Sachant que la première, bah, elle est pas si fofolle. Mais d'accord, ces dresseuses ne veulent pas que vous atteigniez Erika, donc on est obligé de le combattre, il n'y a pas un problème. On n'est pas obligé, non, non. Non, mais je pense que c'est de ça le mot, justement. Ah. Il, à mon avis, le pas est pas petit. Alors, on va aller où maintenant? Est-ce que c'est vous? Oui. Ah, tu vas acheter des potions. Et oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, vous vendez pas de guérison. Ça achète des potions. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de potions max? Les Pokémon, ils ont pas encore tant de PV que ça. On va y aller à l'hyper. Une découverte sur une cartouche de F0X avec donc la moitié des données qui ont été écrasées par F0 et qui est bien plus vieille avec la version bêta de plein de zones. Mais ça a l'air incroyable ça. Faut que j'aille regarder ça. Les potions max avant la 7G elles servent à rien je trouve. Et mais les potions max c'est vraiment un des objets que j'ai. Oh, il y avait Lovis le teigneux. Lovis le teigneux. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lovis le teigneux. Oh, en voilà un masque intéressant. Non, tu veux quelque chose, regarde. Ne me dis pas que tu veux mon magnifique masque de Lovis le teigneux. Impossible, jamais je ne m'en séparerai pour rien au monde. Bon, c'était pas ça. C'est ce masque-là que tu veux. Pas dans ce cas, ça va alors. Masque Tortipus. Masque Tortipus. J'ai mangé le masque Tortipus dans le coffret. Ah, d'accord. Ça te suffit pas? T'es peut-être jeune, mais tu sais marchander. C'est bon, je te donne ça aussi. Ah, tu vas me donner le masque Wist. Le Tipouf aussi. C'est bon, j'ai compris. Je t'offre ça aussi. C'est bon, t'inquiète pas, j'ai déjà payé pour toi. C'est un cadeau de moi qui porte si bien les masques à toi qui les aime tant. Quand il y a la jeune, il n'y a pas de plaisir. Oh, mon Volcaropod, il est parti, hein. Il sait. Ah, moi, je reste ce pas. Ce dresseur sent bon. Les Pokémon. Oh ah, moi, je reste pas, hein. Bah, je sais qu'il y a... comment elle s'appelle Mélina, aussi, qui mange des ramen ici. Ah. C'est un fan de Majora, lui, et j'avoue. Lovis le teigneux, c'est le genre à dire... au deuxième cycle, attendez 3 jours, aller chercher le masque du lapin. Elle est là, elle mange des ramen. T'as vu, elle en a mangé plein, en plus. Ah, elle avait faim. Paf, paf, paf! Ah, les concours de gloutonnerie, je savais pas qu'une chose aussi formidable existait! J'avais suivi un régime particulier pour mon entraînement, alors là, je peux avaler autant qu'ils veulent. Non seulement c'est délicieux, mais en plus, si je gagne, c'est gratuit, c'est le paradis ici! Alors toi aussi, tu voudrais participer à un concours de... Bah, j'aimerais bien un jour faire ça, mais pour l'instant, je suis pas du tout entraînée. Donc... Bah, c'est clair, t'arrives même pas à en finir! Mais oui! Donc bon, on verra ça plus tard. Ah, le concours! Oh la candidate! Incroyable! En fait, le temps que quelqu'un mange 30 bols, j'en aurais mangé un, donc... Tu l'aurais même pas fini, en mode « Ah oui, mais j'ai plus faim !» Ah, mais du coup, on peut passer par là, en fait. Ah bah, tu... Bon, ça y est. Je suis revenu. On va pouvoir aller affronter mademoiselle Erika.
et affronter une petite scout. Ça t'étonne une arène remplie de filles? Ça m'étonne une arène remplie de filles. Et franchement, c'est choquant. David, tu fais quoi? Moi, j'attendais... Léon! Salut, Madeleine. Oh, ça, c'est le rayon signé qui va faire 36 millions de dollars, regarde ça. Et voilà. Oh mince, j'ai perdu. Dommage, Lali. Lali Loulélo. ok, il y a cette... fille méchante. Oh, il y a un arbuste là-bas. Tu sais ce que je préfère? Eh ben, c'est parler avec une voix grave. C'est Noémie. Passe, beau. Oh, putain, passe. Impressionnant. Moi je dis, s'il faut un remake de Diamant Père, il faut faire un remake de Hercule Poirot. Avec un doublage juste pour cette fille. Un Pokémon doublé, tu veux? Non, non, juste la fille, là, elle a Noémie, et je veux qu'elle soit doublée, c'est tout. Putain, mais il one-shot tout le monde, il s'en fiche! Pas de problème. Ah, le fameux Vortente, il arrive. On aura Let's Go Johto, tu verras. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, j'espère tellement pas finalement. Oh non, mais. Au début, c'était ok, mais maintenant, non, c'est bon. Oh, mais non, mais ouais, mais non, mais. Oh non, mais non, mais je suis. J'ai finalement vraiment pas aimé. J'ai finalement vraiment pas aimé. Let's go! Attends, qu'est-ce que j'ai comme du nom là? Non, mais en fait, tu vois, j'ai. Non, mais franchement, le côté des Pokémon qui peuvent s'enfuir, en fait, c'est trop pénible ça. À la limite, tu vois, je. La douceur de la femme et la force de l'homme, je rêve de devenir un dresseur à lire ces deux extraits. J'allais dire, tu vois, à la limite, rendez-le. Ah, mais toi, tu l'as fait bien bouger, et moi, je dois faire le tour. Mais attends, pourquoi toi, elle a bougé autant? Mais parce que moi, j'ai passé par un autre jeu. Ah, mais t'étais déjà passé par en haut, en fait. Non, j'étais passé par en bas. En fait, j'étais là. Oui. J'étais là, et elle est venue me voir. Ah, il y a un... D'accord. Bon, c'est pas grave, on est arrivé. Sauvegardons. Bon, on va mettre un autre Pokémon, là. C'est qu'on va mettre en premier. On va mettre Mimosa, qui n'a aucune attaque vol. Ça. Et bien joué, Madeleine, pour la ligue. Bon, on va pas faire ça. Hein. On va laisser Pharaon, c'est très cool. Je vais re-sauvegarder au cas où. Je sauvegarde pas le papa. Bah oui, mais c'est parce que toi, t'as pas ton jeu qui est maudit. Erika, elle est cool. C'est bon. Je valide Erika. Allez. Bien, bonjour. Le temps est admirable aujourd'hui. On a envie de fermer les yeux et de se laisser glisser. Moi, je suis Erika, championne de l'arène de Salado. Se laisser glisser. Ah, tu viens de Johto, quel honneur. Enchantée. Bien sûr, tu es là pour te battre. Cela me servira d'entraînement et à la fois en dressage et en arrangement floral. En garde. Donc vous aimez pas Pokémon Go? Non, mais en fait, j'allais dire Pokémon Let's Go, j'ai pas de problème, mais s'il vous plaît, mettez-le compatible à la manette, quoi. En fait, s'ils sortent un Let's Go Johto, j'espère qu'ils le rendront compatible à la manette et que t'es pas obligé de faire le motion control. Mmh. Parce que honnêtement, ça répondait pas très bien. Mais en fait, ils l'ont fait, en fait. Mais c'est que en mode portable, en fait. Oh, il a fait demi-tour. Cette phrase, elle est trop bien, en fait. Moi, il m'envoie sac de nuit. Je lui fais super mal avec un coup de jus. Je le tue. Mais non, il recommence les poudres dodo. Oh là là, la tempête verte qui va tuer, là. La tempête verte qui va tuer, regardez-moi ça. Et ouais, c'était sûr. Bon, allez, je vais tenter de survivre. Il n'y a vraiment rien. D'accord, on tente pas de survivre. Je voulais de me réveiller.
faire extra ascenseur. C'est plus rapide, incroyable. Pauvre Ariès. J'ai tué un Pokémon. Bravo. Moi, je suis en train de... Sac de nœuds. D'avoir du mal contre un sac de nœuds, il vient de booster toutes ses stats, allez... Allez, le pouvoir antique. Mais oui. Toujours le pouvoir antique. Et tu m'as donné Zenda, alors moi je te dis. Ah bah profite hein. Moi le problème c'est que mon enfin il est beaucoup trop lent. Ouais, Zenda arrive et sac de nœuds ne trépasse pas. Il fait poudre de dos qui rate. Bah oui. On triche pas comme ça, madame Erika. Allez, fais essorage. Voilà, c'est bien. Fais essorage. Il essore sa salade, du moment. Faut quand même croire, c'est normal. Ça marche pas du tout, hein, à chaque fois. Ah ouais, le tranche, coup critique, non, même pas. Hein, moi, je galère hein, sur ce sac de nœuds. Le sac de nœuds, il est fort. Trop dur. Je me suis fait tuer par Tempête Vert, j'avais 10 niveaux de plus que lui, il m'a one-shot sur un misc progivre. Ah, c'est dommage. Trop nul quand les crocs, ils ratent. Non, mais c'est pour ça, ouais, non, mais les crocs, c'est méchant, ça. Mais je comprends même pas comment un croc, ça peut pas... Si, je comprends qu'un croc peut rater. Mais arrêtez ce sac de nœuds. Ouais, mais c'est juste sac de nœuds. Merci. Heureusement que Petit Prince est là. Ouais, ton Petit Prince est niveau 54 quand même. Bah oui, j'ai fait que jouer avec lui dans la dernière vidéo. Oh là là, le voilà le champion. Bah le champion, il va se prendre Kirby. Merci Sissineko. Bon. Bon, je sais même pas ce qu'on m'envoie. Bah, moi, ça va, t'as un insecte, tu t'en fiches. Non, mais je vais changer un peu. On envoyait Mimosa là pour frimer. Regardez, Shiny Chromatique, tu es trop beau, voilà. Ah, c'était Cotovol, ok. Un combat de haut vol. Ah, bah, c'est clair. Allez, on fait un pouvoir antique là. Mais non, la vampigraine. Ah, ça, c'est moche. Alors que moi, je faisais le pouvoir antique rigolo, tout ça. Ça bouge jamais les stats, le pouvoir anti chez moi. C'est incroyable. Tiens, mais je lui fais mal avec le pouvoir anti quand même. Bah, il est type vol. Ouais. Zénith. Mais t'aurais pas pu faire tour 1 le Zénith. Comme ça, tu me fais pigraine pas et je t'aurais tué direct. Allez, on le tue là. Quoi, Cotovol? Mais elle a pas eu Cotovol, moi. C'est pas possible si c'est son premier combat. C'est son premier Pokémon, son premier combat. Oh! Ah bah tu l'as battu, bien joué. Regarde, tu l'as battu avec quelle technique déloyale? Bol. Oh, c'est joli Flore! C'est son Pokémon ultime. Ah ouais! Ne retiens pas tes coups! Je ne retiendrai pas mes coups. Allez, on fait un petit métronome là qui... Oh bah d'accord, ok, le lance-soleil sur le Pokémon vol. Oui. Bon, par contre, ça va faire mal quand même, on va le sentir passer, je pense. Même pas! Oh mais quel champion du monde! Bah c'est ça d'avoir un Togekiss. Oh la belle attaque! Oh là 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 là! Mais si ça c'est pas du move qui fait zéro dégâts, bah je sais pas ce que c'est. On va switcher là, c'est pas possible. Les forces sont jolies. C'est à cause de vampigraine quoi. On aurait pu rigoler et tout, mais... Allez Zenda, vas-y. C'est Bellossom. Elle spam les machins, les lance-soleil. Je sais pas ce qu'elle fait, toi. Pareil. Mais je lui jette des cailloux, du coup. Ah, le fameux... Les fameux... comment ça s'appelle? Les fameux Togepi, moi. Pokémon vol, je ferais mieux de faire lance-soleil dessus, quand même. Oh, j'espère que je vais le tenir. Tiens bon, Kirby. Non, j'avais calculé que ça allait tenir. Dommage. Bon, on va faire un combat de Pokémon plantes alors. Bah vas-y, justement. Bah oui, Giga Sensu maintenant.
Le machin, il a que des attaques plantes. Pour Marc, c'est normal, c'est Joliflore. Joliflore n'a pas d'attaque. Pauvre Pokémon. Bon, maintenant, il a couvert... Franchement, elle devrait faire ma technique, hein. Attraction. Attends, il a couvert Dance, au moins, tu vois. En fait, c'est comme... En fait, Fragile Eddy et Joliflore, c'est exactement le même Pokémon. C'est exactement le même Pokémon. C'est exactement le même Pokémon. C'est pour ça que je les aime bien tous les deux. Mais qu'est-ce qui... Mais je veux dire, à quel moment ils se sont dit on va faire exactement le même Pokémon? Mais c'était un reboot, du coup, bah il y a beaucoup de doudous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ils auraient pu... Enfin, ouais, mais bon, enfin... Mais même si c'est un reboot, ils auraient pu se dire enfin, ouais... Mince, elle va utiliser une potion, en fait. Oh. Ah, finalement, non. Bon, fallait prendre Tiflo, je voulais pas faire ça, mais... Ah, mais non, en fait, je peux pas. Bon, on va soigner un peu. Au moins que Joliflore ait appris Papillodance entre temps. Joliflore a Papillodance aujourd'hui. Il peut faire Papillodance. Mais c'est quoi ce spam de synthèse? Salut Slimane! C'est vrai qu'il a pouvoir lunaire en fait. Oui. Joliflore. Un truc que Fragile Eddy n'a pas. Mais maintenant Fragile Eddy elle fait boule pollen. Ah. Elle remarque qu'une attaque insecte ça reste toujours sympathique. Ah non mais c'est vrai que Meganium. Meganium. On peut le dire hein, tout ce qu'il a finalement. Meganium, le seul truc qu'il est capable de faire honnêtement, c'est ce que je faisais quand je jouais avec Meganium en 4-5G. Poser des murs avec. Bah voilà, il pose bien des murs. Hein. Joliflore aussi a boule pollen. Bah je sais que Joliflore il a tout ce que Fragile Eddy a finalement. Et pour le coup, bah du coup. Pour le coup, bon, c'est pas le meilleur poseur de murs non plus, on dira, mais au moins il fait ça. Comment allez-vous les moldus? Attention, nous on n'est pas juste des moldus. Qu'est-ce qui te certifie qu'on est des moldus d'ailleurs? On dit pas des moldus, on dit des non-mages. Bon. Ah ça y est, c'est de retour du lance-soleil là, c'est bon. Purée, mais elle est full vie ou elle a utilisé une guérison? Non, elle a fait synthèse. On peut jouer Joliflore physique avec Dance Slam. Mouais. Mouais. Oh, j'ai une idée. Je sais pas ce qu'il a en fait. Fragile Eddy a pas genre le double de vitesse de base de Joliflore. Oh là là. J'avoue, ah, que, bon, j'avoue que les stats de Joliflore, je les connais pas. Hein. C'est plus un Pokémon défensif, Joliflore. Enfin, les stats de Joliflore et de Fragile Eddy, je pourrais dire en fait. Pour les deux. C'est-à-dire, c'est pas des Pokémon que tu croises tous les jours quand tu fais des combats. À ton grand détriment, je dirais. Désarroi, pas de détriment. Ouais, désarroi, peut-être c'est plus effectivement correct. J'ai gagné. Ah bah, bien joué. T'as vu, je t'ai laissé la musique. Merci. Drain Punch les aciers, vous voulez. Ah, c'est stylé. Oui, avec ses petits coups de pointe. C'est trop bien. Ça donne envie de RP à un joueur de flore physique. J'aurais pas dû te sous-estimer. Allez. C'est toi qui te donner ce badge Frisme. Et pas Frim. Ah, mais mon Farampe, il est mort! C'était une superbe rencontre, j'en ai été fort ému. Je tiens à ce que tu acceptes ceci, c'est la CT de Giga Sansu. Cette capacité draine la moitié des dégâts infligés pour soigner ton Pokémon. Vraiment incroyable. Mais ça deviendra encore plus incroyable plus tard, Erika, mais malheureusement, tu n'existeras plus. C'est toujours un peu triste de perdre un combat, mais c'est aussi stimulant de rencontrer un adversaire vraiment puissant. Attends, quoi? Tu dis qu'on la reverra plus? Mais bah, let's go, alors. Oui, ouais, j'allais dire, mais en fait, j'ai dit n'importe quoi, let's go existe. Il n'y a vraiment aucun chemin alternatif, hein. Faites comme si je n'avais rien. Comment on passe, là? Je comprends pas le chemin. Bon, je fais un détour. Oh là là, Léon, il est bloqué! Léon, il connaît pas le chemin! Ah, il y a Reka qui m'appelle. C'est qui Reka? C'est qui Reka? Bonsoir, c'est Reka! Mon petit coquac est devenu très fort, c'est des... très mignon, pardon, pas mi-fort. Je t'arrête pas de photographier. Ah, moi c'est Audrey qui m'appelle. Encore un peu, tu veux pas croire, j'ai battu un ratatac en une seconde. Bonsoir Léon! C'est peut-être grâce à tes conseils, Alice. Mais je sais même pas quitter Reka! Encore debout? On va se faire un combat. Vers la route 27, ne me fais pas attendre, ok?
maintenant, Ocarina of Time, comme on dit. Non mais c'est incroyable, la plupart des gens je les connais pas là. C'est qui le gars avec son pyroli? J'ai jamais affronté quelqu'un avec un pyroli, si? Bah sûrement quelqu'un qui crache du feu, ou je ne sais pas. Quelqu'un qui crache du feu, j'aurais jamais donné mon numéro de téléphone à quelqu'un qui crache du feu. Et pourtant... Regardez lui, là, c'était le coq. Eh, j'avoue, c'est... J'ai pas du tout regardé quand est-ce qu'on avait commencé le stream. T'inquiète, moi j'ai regardé et ça fait 44 minutes 33 secondes que le stream est lancé. Ah bah ça va, on va pouvoir aller au sud comme ça. Bon, en réalité, c'est un peu faux en fait, ça fait un petit peu plus longtemps. Mais... C'est une fille entre Olivier et Rosalia près du ranch Meumeuf. Je suis sûre que c'est une canon ou un truc comme ça. J'ai Sonic Crush et j'ai pas envie de spoiler la fin. Ah, c'est bien, c'est gentil pour ceux qui ont pas fini le jeu. Casino était à l'origine tenu par la Team Rocket. Une fois la requête hors d'état de nuire, il a été repris par un vieux Richard qui adorait le jeu. D'accord, mais... Il l'a transformé en une salle vide avec juste une table au milieu. Enfin, c'est ça, je crois, attends. On va aller voir. C'est ça, non? C'est juste une salle vide avec une table au milieu, non? Bah, c'est le cas dans ce jeu, mais c'est pas le cas dans la version japonaise. Oui, oui, oui. La version japonaise a été épargnée. Bon, je suis désolé, il y a un vieux monsieur et un autre vieux monsieur. Mais non, mais c'est le monsieur de... C'est le monsieur de l'arène, lui. Salut, future légende, ça ne te dirait pas de jouer, je vous dis un Pokémon en particulier, mais je n'arrive pas à gagner assez de jetons, quel pouvoir. En même temps, ce jeu... Je l'ai jamais fait, hein. Je ne l'ai jamais fait. Je n'y ai jamais joué. Merci, l'Europe, ça fait plaisir. Allez, c'est pas grave. Et j'avoue, il n'y a plus la quête du thé, du coup. Elle était encore dans Gold et Crystal. Ah mais non, c'est pas dans Or et Argent, je dis des âneries. Oh, regarde, mamie. C'est mamie chère. Je me sens tellement dépassé en vrai sur la stretch, j'en ai plus fait depuis la 4G. Donc j'apprends tellement ce qu'apprennent les anciens Pokémon maintenant. Bah après, c'est normal, après, en soi, il y a plus de Pokémon aujourd'hui. Et puis... Et maintenant qu'on peut couper, on peut aller dans des endroits secrets. Et puis... Mais est-ce qu'on a envie d'y aller, nous? Et puis... Et toi, la stop! La bicyclette est interdite à ceux qui n'ont pas une bicyclette. Mais c'est bon, regarde. C'est hop, bon. C'est réglé. Mais on est très sympa parce qu'on la retire pas. Alors allez, c'est parti. Oups, je voulais me laisser porter, mais... Bon, au revoir, hein. Ah bon, d'accord. Oh, mais je me fais attaquer par le gang des gigas. Tut-tut-tut-tut. Pas génial, mon klaxon, il y a trop bon son. Il y a trop bon son, hein. Je me sens à plat, viens me remonter le moral. Bon, moi, je fais combat duo. C'est plus stylé. C'est plus stylé. Oh, par contre, là... Les doubards, oh là. Pardon, j'ai rigolé. Le motard Samson. J'ai pas vu c'était quoi le premier. Et en même temps, tu le lis même pas alors qu'il est sous tes yeux. Mais oui, mais j'ai regardé ailleurs et du coup... Mais c'est aussi un cradopo, tu vois, ça m'a subjugué. Tu comprends que je pouvais pas. Moi, j'ai pas voulu lire son nom parce que... Bah attends, je vais le relire. Je vais pas lire le chat au cas où il me spoil. Mais coupe, mais pourquoi coupe? Mais tu as fait super mal avec coupe. C'est pas permis de faire aussi mal avec coupe. Ah mince, bon c'est pas grave, j'imagine. Non, pas Bomber là, mais oui, on sait que c'est une fée, mais quand même. Mais c'est pas une vraie fée encore. Et toi, t'es de Johto? Bah oui, du coup. Toi, t'es de Johto? Ça se voit à ta tête. Oh non, pas l'embargo, ça sert à rien. C'est pas grave, c'est lui là. Le copain de Samson. Oui. Xiaomi. Alors, comment il s'appelle? Eh bien, on s'en fiche que tu fasses stockage. Oui, c'est vrai que je pourrais faire des machins, mais c'est bien plus rigolo de faire des métronomes. Ah, mais il en avait qu'un de Pokémon! Mais quel gros nul! On va essayer le point éclair, ça va être un Pokémon. Allez, explosion! Pas essorage, quoi que t'aimes bien essorage. Mais non, mais c'est parce que je voulais faire assurance, mais ils m'ont menti, j'ai pas fait plus de dégâts. On va laisser le one shot de essorage, ça fait plaisir. Bon, alors il s'appelle comment? Ah mais non, mais Balthazar. Ah mais attends, mais c'est celui de droite, d'accord. Moi je croyais que c'était celui de gauche. Non, mais il y a plus de motards de ce côté en fait. T'es parti à droite. Mais je voulais... comme t'es parti à gauche, je me disais, il y a peut-être pas de dresseur à droite. Et ben en fait, carrément. Pourquoi je suis un motard dans ce jeu? Écoute, tu dis tu te les rageux, ça allait bien, non? Là, franchement...
Franchement, t'as le caractère, hein, c'est bon. Elle était nulle ta blague, Dani. Je sais même pas quelle blague j'ai fait. Je fais jamais des blagues nulles. C'est vous qui êtes pas un bon public. Quel est donc cet ego? Écoute, toi, t'es un kinésiste, Dami. Non, mais. Chacun son. Non, mais c'est bon, je suis rien, c'est bon, arrête, j'existe pas, je suis 7 ans. Ouais, c'est bon. Tu vois, c'est ça, de pas avoir un nom commun. Non, en fait. Ah, mais j'ai affronté Lorenzo, en fait. Mais c'est toujours la voix des autres. Bon. On va accélérer un peu là parce que mon ami. Non mais moi je suis bloqué. Mon ami là il tue. Cimère. Ouais, ça fait des années qu'on n'a pas entendu quelqu'un dire cimère quand même. Oh là 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 là. Écoute, moi je vais continuer à droite. Peut-être que c'est pas si terrible que ça. Qui dit cimère encore aujourd'hui? Écoute, technique de Gueudin. Oh là 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 là. Tu peux pas faire plus vieux que Pokémon Kanto. Allez hop, encore un bonhomme. Le tuning, ça coûte un bras. Il est même pas les dialogues intéressants des motards, quoi. C'est Richie. Mais j'avoue, vous êtes des motards sur la sur une piste cyclable, vous avez pas le droit. J'avoue, c'est terrible. Mais ils ont toujours fait ça. Oh non, c'est plus là. Ouais, cool. Allez, c'est parti. Ah mais j'ai fini moi. Ouais, j'en ai affronté que deux. Mais oui, moi j'ai pris le pire chemin. Ah mais oui, je voulais descendre de la bicyclette. Mon meilleur ami dit cimère quand il a un devoir de philosophie, donc il me demande de l'aide pour éviter de finir en état de mort cérébrale. Ce sont des fausses motos. C'est une piste cyclable pour moto, c'est bon, ça passe. Moi je dis cimère. D'ailleurs, ces motards sont trop méchants, ils font peur aux évolis. Comment ça ils font peur aux évolis? Peut-être que le bruit des motos, ça fait peur aux dévolis. Non, Slimane, on n'a pas regardé. Plus de gens qui disent cimer que des gens qui disent merci. Dans Let's Go, il n'y a plus de motards et du coup, il y a plein d'évolis sur la série cyclable. Ah oui, oui, oui. Regardez. Regardez-moi ça, là. Ah, regardez-moi. Il se tourne pas. Bah non, il va jamais se tourner, il t'attend. Oh là là il là t'attend, là. Alors qu'est-ce qu'il va dire Bobo? Pout 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 vroom, vroom. J'imite trop bien la moto. Ils sont à fond. C'est Samuel qui, oh, a, qui est un nounours. Bon bah, désolé hein, moi je suis moto faire brou brou brou. Oh non! Ah oui! Pas de tranche co-critique pour toi, Teddy Oursa. Qu'est-ce que. Oh, mais il a que des Pokémon mignons! C'est pas parce qu'on a un motard qu'on a pas le droit d'avoir de Pokémon mignons. bah non, j'allais dire, tu sais quoi, j'aurais dû affronter le gars qui est juste au-dessus de moi hein, en t'attendant. Bah écoute, tu peux parce que moi j'ai encore d'autres dresseurs à éviter. Tu sais, tu les as évités, mais peut-être que moi je vais pas les éviter. J'ai évité personne, il y a juste un gars que j'ai évité, c'est vous. Parce que. Bah si, là, juste au-dessus de toi, il y a un gars, je crois. Oui, mais lui. Et bah moi je vais peut-être tomber dessus. Mais non, pas lui. Pas lui. Un autre. Là. Ah non, je suis arrivé à la fin. T'es là, toi, t'es là. Ok. Haha, je suis à bout de souffle. Bon bah, du coup, tu m'as spoilé. Oh bah. Et tu me sais plais, que... file-moi ton numéro, on va faire des étincelles, vroom vroom. J'ai récupéré le numéro de deux motards pendant cette aventure. Bah dis donc. Mais arrête de me parler. Allez. Ça y est, tu n'en peux plus, tu vas pouvoir chercher ton dos de Rio. Mon dos de Rio. Ouais, ils sont là, les dos de Rio. Oui, je sais. Mais je veux aller au centre Pokémon. Bah dis donc, il y en a du monde, ça veut dire qu'on peut prendre une photo peut-être? Mais c'est Olwen! Coucou! C'est moi Olwen, tu vas bien? Allez, on va se battre, route 33, c'est là où je suis, viens me rejoindre! D'accord Olwen, si tu veux. Voilà, on est au sud! Bah super, bravo! J'espère que quand ils vont t'appeler, ils vont faire tout de suite les vroom vroom vroom. Ok,
Ok. Ce jeu n'est pas pour les gamins. Le champion d'arène est maintenant la fille de Koga qui est partie au conseil 4. C'est décidé, alors prends la place. Ce qu'il raconte, hein. Bien le bonjour, c'est le dépend de je suis F. Otto. Le vieux photographe, tu sembles fort photogénique, c'est étudiant, il faut tout souvenir. Allez, viens, on va prendre une photo pour la première fois de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je vais prendre une photo, c'est incroyable! Il y a même pas un coup sur la photo, du coup. Il y a Poissirène, quoi! Tous tes Pokémon sont mémorables. Elle réussit celle-là, bah oui, évidemment. On n'en doute pas, on n'en doute point. T'inquiète, Sissineko, c'est parce qu'on a un jour d'avance. Allez, c'est parti pour l'arène avec des murs invisibles. On se retrouve au milieu. Je suis Janine. Bravo, tu m'as trouvé. Ah, tu fais pas les combats contre les dresseurs, toi? Bah, tu m'as dit on se retrouve au milieu. Mais non, mais je pensais quand même qu'on allait faire les combats. En garde. Le piège a fonctionné. Il faut s'entraîner un minimum, quand même. Ah, parce que tu t'entraînes, toi. Bah oui. Oh, mais c'est Nidoqueen, là! Moi, j'ai pas le bon Pokémon pour affronter ça. On va essayer quand même. Il va encore mourir, ça va être incroyable, vous allez voir. Ah oui, d'accord. Oui, mais qu'est-ce que je fais, moi aussi? Évidemment que ça marchera pas. C'est un truc comme une poison, quand même. Ah, la paralysie qui fonctionne. Oh, pas de chance! Bon, qu'est-ce qu'on fait? On voit Zenda. Ah bah ouais, Zenda, il est bien, Zenda. Oh, et ça anticipe, ça fait Telluriforce, c'est incroyable, on va l'avouer. J'avais hésité à envoyer un Pokémon. Ah, c'est pas anticipation, hein, t'avais un Pokémon électrique juste avant. Mais oui, en fait, mais pourquoi il a fait plaquage, du coup? Pourquoi il a fait plaquage? On dirait une porte. Des ninjas. Ah bah oui, évidemment, l'attaque qui monte au moment où c'est fini. Je vais soigner mon Pokémon. Que... Zut, presque. Moi j'aime pas quand mon Pokémon il a moins de... Quand je suis déguisé en elle, je me sens plus fort. Ah oui, bah oui, c'est vrai, le centre Pokémon il est juste à côté en fait. Eh oui. Regarde, on dirait que c'est moi le maître de l'arène vu que je suis devant le... Je suis au bout avec le badge derrière moi. Bien joué. Salut Arthur! Allez, on y va les amis. Nous n'avons pas que cela à faire. Vraiment, je devrais peut-être changer de premier Pokémon aussi, moi. Niveau 52, on a toujours Ariel niveau 51, mais bon, le problème de Ariel, c'est que si c'est pour perdre la moitié de ses points de vie en un coup, salut Janine 2, ah ah, je te jure, je suis la vraie. C'est Campeur René, la Nidoking. Lui aussi il va faire plaquage, je pense. Moi il fait puissance. Allez, est-ce que l'attaque va monter du premier coup? Ça serait génial. Allez. Oh, c'est le one shot de ton côté, pas mal. C'est super efficace. Bravo Libu. C'est... Campeur René. Oh, il va prendre au croupie. Mais malheureusement, je peux pas apprendre d'attaque. Désolé, Limule. Qui était pourtant tellement bien déguisé. Mince. De toute façon, je pense que au croupie, c'était pas très intéressant. Et ouais, je suis un garçon, j'ai bien le droit de me déguiser en Janine si je le veux, hein. Mais on a rien dit. Ouais, personne. Allez! Est-ce que toi, t'es pas genre. Ah non, si on peut te voir. Ah, tu. Attends, tu es parti là, voir comment, là.
Tu m'as cru, ah débile. Oh, oh tellement méchant, c'est quoi ça? Mais c'est une fillette. C'est une fillette, les amis. Oh, mais c'est bizarre. Bon, j'allais dire, ça. On aurait pu utiliser machin, mais en fait, non. Mais il est très bien, Zenda. Vous préférez la musique de Johto ou de Kuranto? Je crois que quand j'étais petite, je me disais que je préférais la musique de Johto. Je préférais Johto aussi. Je préférais Johto aussi. Tiens, un petit poulet est en retard. Là. Vous vouliez voir petit poulet, bah c'est le moment. Allez, profitez. On envoie le Uber là. J'avoue. Uber Eats. On est dans le. On est. On est dedans là. Et on n'a pas peur, on fait déflagration parce qu'on respecte rien par ici. Oh mais ça ne fait qu'évoluer. Ça ne fait qu'évoluer. Une petite anecdote, quand j'étais petit, j'adorais le cri de Nidoking, je le mettais en boucle sur le Pokédex. Me vole mes blagues, j'ai pas le temps de les écrire. On est trop rapide par ici. Pff, même pas mal. Tu penses quoi de mon déguisement? Tout le monde m'en dit du bien. Mais du coup, là, il en manque une. Bah, elle, c'est la finale. Ah, c'est la vraie? Elle, c'est la fausse. Ah, dommage, mais c'est raté. Et non, c'est encore un piège. Mais oui, c'est elle, c'est la vraie. Ah, c'est la vraie, elle. Mais oui, je le savais. Ah, mais je crois que c'était la plus éloignée, du coup. Mais non. Bon, tant pis pour l'autre, là, c'est une boucle. Elle avait qu'à pas aller aussi loin. Mais voilà. Moi, je le savais que c'était la vraie. Je le savais. Oh, c'est pas grave. Nous, c'est en faire. Bon choix de premier Pokémon. Putain, mais elle est nulle, Janine, là, niveau 47. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avoue. Allez, un petit coup critique qui fait plaisir, là. Mais oui, magnifique. Ah là 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 là. Alors, Limou, il fait du one shot, là, j'espère. Bah, j'espère aussi, mais je pense que non. Bah, il touche quand même, quand même. Oui, mais elle fait comme spammer d'ultrasons. Bon, au moins elle fait pas comme son père avec des reflets partout. Pour l'instant, ça va. Ah, mais elle, elle a appris à jouer. Là. Écoute, elle fait ultrasons, c'est très mieux. On veut pas envoyer une mimosa. Oui, mental, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On est d'accord du coup que Smogogo il a lévitation. Ouais. T'inquiète, il le perd après dans la 8G là. Ah, je crois qu'il l'a toujours, oh, je sais pas en fait. Salut Raragugi. Mais on voit souvent Smogogo, Gazi, Limiteur, machin. Non mais je pense quand même que l'un des trucs les plus tristes vis-à-vis de comment ça s'appelle, de lévitation, c'est quand même la perte de lévitation d'ectoplasma. Oui. Mais genre qu'ils l'ont retiré totalement, je trouve que c'est inadmissible. Tu vois, ils auraient pu dire ouais, alors on lui donne une deuxième capacité spéciale. Je trouve que l'idée est plutôt sympa, tu vois. Si jamais tu veux faire original, je sais pas. Mais Ectoplasma, il a tellement pris un nerf énormissime que. Mais du coup, plus personne ne joue avec Ectoplasma aujourd'hui. Oui. Allez, on se tente le pouvoir antique, là. Allez, les petites stats boostées, là, ça ferait vraiment plaisir. Faites plaisir à quelqu'un qui n'a jamais les stats boostées par les pouvoirs antiques qu'on a eu. Non, mais jamais on a le droit de booster des stats, c'est fou. Que un autre Migalos. Bah, écoutez, on va rester sur le pouvoir antique, c'est rigolo. Putain, mais elle est vraiment nulle, Janine. C'est quoi? C'est elle, le premier boss qu'on doit battre à Kanto? Non, il y a Major Bob, c'est vraiment le vrai premier. Mais vous êtes sérieux là? Ah, vous faites la guérison. Pour essayer d'avoir un boost de stats. Ah, je sais pas, Major Bob, il était si nul que. Il était plus nul que ça encore?
Je sais pas, j'ai pas le sentiment qu'il était aussi nul. Mais tu peux pas affronter quelqu'un d'autre que Majordome en premier. Ah oui, le boost des stats, il est là. Oh yeah. Bah, surtout il est même pas mort. Allez, on fait un métronome, on en a rien à faire. Surtout que, en plus, après Majordome nous dit d'aller à Safrania. Ouais, ouais, bah ouais, il nous dit à monte. Mais non, pas berceuse, c'est nul berceuse. Non, elle a les mêmes niveaux que Majordome, oui, c'est bien ce qui me semble. Mais elle a plus de Pokémon en fait. En général, les dresseurs ils sont aussi calculés leur niveau en fonction du nombre de Pokémon. Genre par exemple, regarde quand ça. T'en as moins et tes Pokémon sont plus forts. Regarde, et moi, du coup, comme Morgane elle a que 3 Pokémon, bah ils sont beaucoup plus forts. Ouais, ça triche, moi aussi je triche. Comment je fais durer le combat inutilement hein. C'est pas grave. Profite de te prendre des directs toxiques qui te font pas encore d'autres dégâts. Ouais, mais j'ai pas de reste, c'est dommage. Bon, allez, on tente un dernier petit métronome et après on arrête. Non, mais Mimosa, j'ai un Togekiss qui aime bien faire. Mais ça fait même pas de dégâts! Mais ça fait même pas de dégâts! Je suis à plus 3 en attaque! Allez, comme promis, on va attaquer. Ah bah c'est super attaque ça. Mais attends, d'abord je retire les bêtises qu'ils font là. J'espère que la guérison ça retire. Normalement oui, normalement oui. Parce que je fais bon, ok, le total sans, je sais que ça la retire. Non, la guérison c'est l'objectif. Bonjour. Je vous suis depuis très longtemps sur YouTube, je savais pas que vous live surtout. Surtout. Le cerveau de Bobby, merci pour ton message. Mais en fait, on stream sur Twitch depuis en même temps que la création de notre chaîne, donc du coup, bah. Non, c'est pas vrai, 3 mois après. Hein. Mais bon, on a créé notre chaîne Twitch 3 mois après la création de notre chaîne YouTube. Attends, t'as continué d'attaquer du coup? Ah ouais, pardon, je te disais que tu allais aller tellement vite pour battre. Galos. Sur Twitch, ah oui, d'accord. Et voilà, bien joué. Quelle force. Tu as du talent, toi. Je comprends que tu as réussi à vaincre Koga du Conseil 4. C'est-à-dire mon papa. Que tu es balèze. J'ai perdu sur toute la ligne. Tiens, prends ce badge. Badge Ami. T'as vu, c'est devenu une fille derrière. Eh ouais. Tu as tant de talent que tu mérites un cadeau en plus. Direct toxique. Ça peut empoisonner la cible. Je dois encore m'entraîner et m'améliorer. Je continuerai jusqu'à ce que je sois plus forte que toi et que papa. Comment je suis empoisonnée? Oui, y a aucun moyen de sortir. Non, t'es obligé de faire le tour. Très bien, très bien. D'ailleurs, ça va être là. Ah, il avait si peu de points de vie que ça, je pensais pas. Bon, on va bien jouer les mules, mais désolé pour les points de malheur. Les points de malheur, j'allais dire, bon, c'est techniquement la fin de la VOD. Parce que... Bon, moi, je peux pas... Il y a Bernard. Ah bah attends, il y a Célesta quand même. Coucou. C'est Célesta, bonsoir. J'ai emmené un sac de nœuds à la reine de Céladopol, il a adoré. Tu veux pas essayer toi aussi? Être un sac de nœuds, emmener un sac de nœuds à Céladopol, c'est pas clair. Je pense que c'est emmener un sac de nœuds. Est-ce que cette partie d'Earthgold et SoulSilver serait rediffusée? Oui, absolument. Sur la chaîne secondaire, c'est vrai qu'on en avait parlé que dans la rediff d'Hyrule Warrior. Ouais, ça serait sur la chaîne secondaire. Et bah d'ailleurs, en parlant de ça, fin de VOD, merci YouTube. Merci YouTube d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la suite. Au revoir tout le monde.